Bienvenue sur Atao Ride, on est avec Damien Gérardin qui est le responsable de la partie kite de Neige Kiteboarding. Donc on va revenir un peu en détail sur son parcours et les différents atouts que la marque a en termes de kitesurf. Salut Damien! Salut à tous. Du coup, vu que tu parles de la longévité d'une aile, beaucoup de gens se demandent pourquoi renouveler les ailes chaque année. Est-ce qu'il y a des modifications chaque année? Ou alors, voilà, c'est plutôt marketing, etc. Bah alors, c'est quoi, c'est sûr qu'on modifie moins qu'avant. Je me rappelle, il y a 10 ans, on faisait un nouveau proto, déjà on n'en pouvait plus, on ne pouvait pas attendre de le mettre sur le marché parce que chaque proto qu'on faisait était tout le temps tellement mieux que celui d'avant. Maintenant ça va moins vite, mais on continue quand même à améliorer. Tu vois, cette année, clairement, les ailes en quadtex, tu sens que c'est vraiment mieux que celles d'avant. Donc c'est une évidence. Mais même nous, tu vois, au niveau du ride, enfin au niveau de notre ressenti, on lance une aile en général. Enfin, moi personnellement, j'ai mis tout ce que j'avais dedans, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on ne peut pas faire mieux. Et au bout de quelques semaines, quelques mois, tu vois, on va kiter. On a le retour des riders, on a le retour des revendeurs, on a le retour des distributeurs. Et d'un coup, t'as toujours des défauts qui apparaissent et tu te rends compte d'un coup que, en fait, ouais, carrément, l'aile n'était pas parfaite et qu'il y avait des choses à améliorer. Donc chaque année, c'est toujours un peu le même process où, quand t'as fini, t'es sec, tu dis, voilà, c'est bon, c'est fini, là, on pourra jamais faire mieux. Puis en fait, tu te rends compte qu'il y a toujours des choses à améliorer. Et donc, bah, en fait, on améliore à chaque fois. Donc effectivement, on lance une nouvelle aile parce qu'elle est mieux que l'ancienne, quoi. Si vous avez eu le choix de faire 2 saisons, donc dans le développement des ailes pour justement peut-être aérer un peu plus le travail, je suppose, j'imagine, aussi. Ouais, 2 saisons, bah, ça fait que je suis non-stop, j'arrête pas. Quand j'ai fini un, je passe à l'autre et inversement. Donc ouais, ça me tient pas mal occupé. Mais l'idée en fait, c'est qu'on s'est rendu compte que le gros du marché, en fait, les gens achètent leurs ailes au printemps. Et c'est vrai quand tu lances ta gamme à l'été, quand le printemps arrive, les gens ont l'impression que la gamme est déjà un peu vieille. Donc ça permettait d'avoir une gamme qui sortait en fait au bon moment pour que les clients ils aient une nouveauté qui soit réellement nouvelle à leurs yeux, quoi. Donc on a une gamme qui est un peu différente, tu vois, qui est un peu plus orientée vers les comment on appelle ça, vers les riders un peu moins expérimentés, parce que celui qui achète son matos à l'automne, c'est plus un passionné, c'est le mec qui va aller mettre sa grosse combi, rider dans les tempêtes et tout. Donc on a des ailes qui sont un peu plus vers eux, tu vois, la dash, la pivote ou la torche. Et au printemps, on sort des ailes un peu plus pour, ben, un peu plus free ride, un peu plus pour tout le monde, quoi.